Bonjour, bienvenue à cette présentation sur les groupes sanguins. Nous allons aborder le système ABO ainsi que rhésus. Premièrement, au niveau des groupes sanguins, il existe quatre groupes sanguins principaux. Le groupe A, qui possède à la surface des globules rouges l'antigène de surface A, donc une molécule avec une forme particulière. Chez les gens de groupe sanguin B, l'antigène à la surface des globules rouges est l'antigène B, avec une forme différente de l'antigène A. Chez les gens de groupe sanguin AB, il y a donc à la surface des globules rouges les molécules, donc les antigènes A et B. Alors que pour les groupes sanguins O, il y a absence des antigènes. Il n'y a donc pas de molécule de reconnaissance à la surface des globules rouges. Pour tous ces groupes sanguins, au niveau du plasma, il y a aussi des anticorps. Les gens de groupe sanguin A ont des anticorps qui réagissent contre l'antigène B. On les appelle donc des anticorps anti-B. Comme vous pouvez le voir sur cette image, leurs formes correspondent aux molécules en forme de triangle à la surface des globules rouges des groupes sanguins B. Pour ce qui est du groupe sanguin B, l'anticorps présent dans le plasma est un anticorps spécifique aux antigènes A, que nous appelons donc anticorps anti-A. Comme vous pouvez le constater, sa forme est différente de l'anticorps anti-B. Il réagit spécifiquement avec l'antigène de surface A. Chez les groupes sanguins AB, il n'y a pas d'anticorps anti-A et anti-B au niveau du plasma. Alors que pour le groupe sanguin O, il y a présence des deux anticorps dans le plasma, donc les anticorps anti-A et les anti-B. Il y a également au niveau des groupes sanguins le facteur rhésus. Le facteur rhésus est une autre molécule à la surface des globules rouges. Si cette molécule est présente, on dit donc qu'on est positif pour le rhésus. On ajoute donc après le groupe sanguin un signe plus. Si on a l'absence de cette molécule à la surface, on dit donc rhésus négatif. On ajoute un moins à la suite du groupe sanguin. Si on regarde au niveau des globules rouges, il y a donc à la surface des globules rouges un antigène D avec une forme différente de l'antigène A et B présenté précédemment. Dans le cas des rhésus négatifs, il y a absence de cette molécule à la surface, donc l'antigène de surface D n'est pas présent. Pour ce qui est du plasma et des anticorps, il n'y a pas d'anticorps anti-D chez les gens qui possèdent l'antigène D à la surface de leur globule rouge. Et il n'y a pas normalement d'anticorps contre l'antigène B dans le sang des gens qui sont rhésus négatifs. En effet, de naissance, il n'y a pas d'anticorps développé par notre système immunitaire. Il doit avoir eu un contact préalable avec du sang rhésus positif. À ce moment-là, le système immunitaire reconnaît l'antigène comme un corps étranger, développe des anticorps, comme dans n'importe quelle autre maladie qui touche le système immunitaire. On développe des anticorps et c'est à la deuxième présence avec du sang Rh positif qui va se faire une réaction entre l'anticorps et l'antigène. Pour ce qui est des anticorps du groupe sanguin ABO, donc les anti-A et les anti-B, ils sont présents de naissance dans le sang. Si on regarde la fréquence des groupes sanguins, on peut constater que les groupes sanguins varient dans la population. Il y a des groupes sanguins beaucoup plus présents que d'autres. Donc, ce tableau est à titre indicatif pour vous faire remarquer aussi que la majorité de la population québécoise possède l'anti,
antigène de surface D à la surface des cellules. Ils sont donc considérés comme Rh positif. 85% de la population, avec les données en 2010, qui sont positifs, alors que 15% de la population sont Rh négatifs. Le groupe sanguin le plus commun étant le O positif, avec près de 40% de la population. L'intérêt de comprendre les groupes sanguins, avec les antigènes sur les globules rouges et les anticorps au niveau du plasma, est pour l'agglutination, la réaction entre le sang d'un donneur et le sang d'un receveur, pour savoir quelles sont les transfusions compatibles. Ainsi, si on donne l'exemple avec un sang d'un donneur qui est de groupe sanguin A, donc qui porte l'antigène à la surface, l'antigène A, si le receveur du sang est également de groupe sanguin A, nous avons vu précédemment dans le tableau qu'il possède l'anticorps anti-B. Dans cette situation, il n'y a pas d'agglutination, il n'y a pas de réaction entre l'anticorps du receveur et les antigènes à la surface des globules rouges du donneur, parce que les formes ne sont pas compatibles. Mais dans le cas d'un donneur de groupe sanguin A à un receveur de groupe sanguin B, le receveur de groupe sanguin B possède dans son plasma l'anticorps qui réagit contre l'antigène de surface A. Donc, dans cette situation, il y aura agglutination. Qu'est-ce que l'agglutination? C'est la réaction de l'anticorps, sa liaison avec l'antigène de surface, étant donné leurs formes qui sont complémentaires. Et l'anticorps possède plusieurs sites de réaction. Il est donc capable de se lier à plusieurs globules rouges à la fois, ce qui fait que les globules rouges s'agglutinent, donc se collent les uns sur les autres. Et c'est cette réaction qui est dangereuse lors d'une transfusion sanguine. Voyons justement au niveau d'un vaisseau sanguin la réaction d'agglutination des globules rouges. Prenons l'exemple d'un receveur de groupe sanguin A négatif, donc qui possède à la surface de ses globules rouges l'antigène A. Il y a donc dans son sang les anticorps spécifiques contre l'antigène B. Si on lui donne le sang d'un groupe sanguin B négatif, au niveau des globules rouges d'un groupe sanguin B, l'antigène de surface est donc l'antigène B qui est compatible avec l'anticorps anti-B présent dans le plasma du receveur. Il y a donc réaction de l'anticorps qui va se lier avec l'antigène à la surface des globules rouges. Il y a donc dans cette situation agglutination. Et l'agglutination provoque l'obstruction des petits vaisseaux sanguins, étant donné que plusieurs globules rouges se retrouvent collés les uns sur les autres et que normalement, la taille des capillaires sanguins laisse passer, tel que représenté sur cette image, un globule rouge à la fois, parce que le globule rouge prend pratiquement toute la largeur, tout le diamètre du capillaire. Donc, la réaction d'agglutination va bloquer les capillaires et cette réaction peut entraîner un manque d'oxygène au niveau des cellules, étant donné que les globules rouges ne sont plus capables de se rendre à destination pour donner l'oxygène. Ce manque d'oxygène peut entraîner la mort, dépendant de l'intensité de la réaction d'agglutination. Merci.